Et bonsoir, rebonsoir. Normalement, là, on est bon. Bah écoutez, mon OBS a planté. Fallait bien que ça arrive. Fallait bien que j'ai un problème technique. Pas drôle sinon. Je sais pas que j'ai pas perdu tout le monde. Attends, mais du coup, Sky, je sais pas si t'es toujours là. Mon pauvre, t'arrives et ça me tout plante. Non, non, bah c'est. C'est mon OBS qui a totalement planté. Ok, attendez, je m'en mets juste un petit peu en état là parce que j'ai. Voilà, parfait. Ok, bon. J'espère que vous êtes toujours là avec moi. C'est un problème technique, c'est un problème technique, absolument, tout à fait. Vous êtes encore deux sur le stream, bon, merci d'être là. Du coup, je ne sais pas si tu es toujours là, Sky. Je suis désolé. Donc, oui, je ne sais pas si tu as entendu, mais je disais que effectivement mon stream n'est disponible qu'en 1920p, un truc comme ça. C'est un truc que j'ai oublié de configurer. Du coup, les petites connexions sont totalement. Bah sont incapables de suivre le stream. Bravo Julien, c'est un oubli de ma part. C'est un oubli de ma part absolument. Bon du coup voilà, bon bah bon. Pourtant je pensais que mon PC tenait le coup, mais visiblement non. Donc ça régale. Je vais peut-être couper quelques trucs là. Je vais essayer de lui faire un peu d'espace. Voilà, je lui laisse un peu respirer mon PC. Et OBS en tout. Bon, ben reprenons. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Du coup, on parlait de Possessor. Donc, on avait l'annonce. Ça c'est nickel. Bon, du coup, on va essayer de spinner un peu parce que je vois que leur tournant quand même un petit peu. Passons. Qu'est-ce qu'on peut regarder là-dedans, là, The Stylist. Il me semble que ça parle d'une coiffeuse tueuse, si je dis pas de bêtises. Tout mon rêve de devenir quelqu'un d'autre, mais pour Claire, ce rêve devient une obsession, plus un véritable cauchemar. Son travail de coiffeuse lui permet de s'évader en écoutant les histoires de ses clientes, jusqu'au moment où elle décide d'arrêter la discussion. Heureusement que tu. Ma mère, heureusement que tu es ingénieur informatique. Bah, et c'est pas ma faute, c'est le logiciel qui plante, ça peut arriver. Enfin, ça n'a rien à voir, je ne répare pas les PC, moi. Cœur évidemment. Je t'envoie des cœurs dans le chat. Là du coup, je pense que Skyward, tu n'es plus là. Je suis désolé Sky, hein. J'ai tout fait planter, je suis désolé. Écoute, t'es passé, tu te dis, oh, c'est sympa, je vais aller voir Juju, puis boum. Je suis désolé. Alors, attendez un petit truc, je regarde un truc vite fait. Ouais. Bon, bref. Poursuivons. Du coup, donc oui, The Stylist, donc machin, et d'en finir pour deux. Donc attends, attends. Son travail de coiffeuse lui permet donc de s'évader en écoutant les histoires de ses clients jusqu'au moment où elle décide d'arrêter la discussion et d'en finir pour de bon avec elle. La vie solitaire de Claire, avec sa routine bien ordonnée, ses secrets inavouables et chamboulés, le jour où une de ses fidèles clients lui demande de la coiffer pour son mariage. À mon avis, est-ce que ce serait pas un peu un film boucherie, comme je les appelle? On va voir. Coupons la musique. N'y a pas de trailer. Dommage, on ne verra pas The Stylist. Mais bon, le pitch m'intrigue, pourquoi pas, je verrai bien. Un petit film sud-coréen? The Cursed Lesson? Hein, bien sûr, faut essayer de faire des trucs d'autres pays. Yang Jung travaille comme mannequin depuis plusieurs années, mais son physique ne correspond plus aux critères de beauté actuels et elle se retrouve mise à l'écart. Elle décide alors de suivre des cours de yoga un jour nouveau afin de redevenir désirable. Toutes les participantes doivent s'entraîner dur afin d'atteindre le Kundalini, l'énergie source de la vie dans la langue sanskrite. Mais à mesure qu'elle s'en rapproche, des événements de plus en plus terrifiants se produisent. Voilà, bon, je pense qu'on est clairement sur un film d'horreur épouvante là. Y a-t-il un trailer pour celui-ci? Oula oui, c'est trop fort. Sous-titres anglais.
의심하지 마세요. 절대 쿤달리니 경지 오르지 못해요. 쿤달리니 하시는데 그게 뭐죠? 쿤달리니는 당신들이 생각하는 그런 세속적인 경지가 아니에요. 여기 오는 것이고 안 먹을 거 조금만 참으면 없이 예뻐질 거야. 뭐 이상해요 여기. 아무래도 여기서 다가야겠어요. 걱정할 거 아무것도 없어요. 궁극의 아름다움 그거 원했잖아. Ben, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympathique. Hein. Je sais pas, bon, ça fait trailer très classique, machin, mais bon, il y a l'air d'avoir des bonnes idées. Je dis pourquoi pas. Puis ça fait du bien de voir à la sienne des films d'autres pays. En parlant de films d'autres pays, il y a un film allemand aussi qui s'appelle Sleep, que je vois ici, toujours en compétition. Premier film. Pour lutter contre les intenses cauchemars qui m'amènent son sommeil, Marlène se rend dans un hameau reculé dans la montagne qui ressemble étrangement au lieu de ses effrois nocturnes. Devenue brusquement apathique, elle y est rejointe par sa fille Mona qui peu à peu découvre la froideur de ce lieu anxiogène. Tandis que cette dernière cherche à comprendre le mal qui paralyse sa mère, elle doit affronter le passé macabre de ce village et les forces menaçantes qui le hantent. Petit trailer ? Thriller. Trailer ? Allons-y. Sous-titre peut-être en anglais, j'espère. Du hältst jetzt also deine Albträume für real. Ich muss es verstehen, Mona, sonst kann ich das nicht ändern. Was kann ich für sie tun? Was habe ich gesehen? Einen Sonnenhügel. Unser Hotel. Auf Steinbach! Auf Steinbach! Aua. Das ist die Tochter von unserem Notfall. Hallo, haben Sie was mitbekommen? Sie haben sich alle umgebracht. Überleg dir gut, was du jetzt machst. Du bist stark und gefährlich. Kennst du das, wenn du aufwachst und der Traum ist noch da? J'espère que vous avez révisé votre allemand. Bon, pas de sous-titres. Alors, je vous rassure, hein, les films auront des sous-titres hein, quand ils seront disponibles, hein, évidemment. À partir donc de mercredi midi, bien sûr, hein, c'est marqué là. Tous ces films, vous pouvez, chaque film, vous pouvez acheter un billet à la séance, 5€ le film. Sinon, vous pouvez acheter des packs directement, pack compétition. De toute façon, ça sera toujours 5€ par film. Il y a juste les courts-métrages, qui sont gratuits. N'hésitez pas. Pour les courts-métrages, vous avez juste à réserver. Vous créez un compte sur le site. Donc c'est festival-gerarmé.com et online.festival-gerarmé.com d'ailleurs, pardon. Et puis après, let's go, quoi. Excusez-moi. Je regarde mon téléphone, bien sûr, pardon. Donc Sleep, ok. Moi, je suis intrigué. Le film a l'air vraiment, vraiment intéressant. Il a l'air d'avoir des bonnes idées. Il a l'air d'avoir quelques idées en termes d'image, etc. Enfin bon, c'est intriguant. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la compétition? Ça, je crois que c'est un film plus dans un délire comique, donc ça m'intéresse un peu moins. Sweet River, il me semble que j'avais vu le pitch, ça m'avait pas beaucoup. Joey, le fils de 4 ans d'Anna, a été enlevé par le tueur en série Simpkins. Et n'a jamais été retrouvée. Rongée par la culpabilité, Anna a fini par sombrer dans la drogue et l'alcool. 2 mois après sa sortie du tueur de désintoxication, elle apprend que Simpkins est mort et décide de retourner enquêter sur le lieu du drame. Billings, une bourgade paisible entourée de champs de canne à sucre irrigués par la rivière Sweet, elle va y découvrir de sombres secrets et menacer de l'exposer au grand jour. Les vivants, comme les morts, vont tout faire pour l'en empêcher. C'est un premier film, encore une fois.
Ok. C'est un film australien, apparemment, de ce que je vois. Allez, on se met encore 2-3 trailers et je pense qu'on sera pas trop mal, hein. Donc allons-y. So you've got a visitor at your place. There's some English woman's written the cottage. Do we know who she is? How old is your little girl? She passed. I'm sorry, why you always have to talk like she's gone? Because she is, Eleanor. I don't know what you're expecting to find here, but this town isn't one for opening up old wounds. I'm not a journalist. And what are you? A mother. My son's body was never found. You can't keep poking around here by yourself. Not everyone is friendly in Billings. Why did you stop looking for my son? We were supposed to harvest that very field the day after the accident. But now we never will. I talk to Violet all the time. Is that what you're doing? Out in the fields at night? Violet! They are all angels. And they don't ever leave us. What you saw is in your head. My son's in that field. They're all in there. This place will drive you mad. If it was your son, would you let it go? Quand même, je trouve que l'annonce, si je peux leur reprocher un petit truc, quand même, je trouve qu'elles se ressemblent un peu toutes. Je trouve qu'il y a un peu toujours les mêmes codes avec, tu sais, les écriteaux, elle va se venger, là où elle a tout perdu, tu vois. C'est un peu cliché, quoi. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas un trailer qui accroche tout de suite, quoi, je trouve. Enfin, ça propose des belles images, je dis pas, mais je trouve que la construction des trailers, c'est un peu toujours pareil. C'est un peu dommage, je trouve que ça vend un peu mal les films. Après, voilà, celui-ci, pourquoi pas. Je ne dirais pas que c'est celui qui m'intéresse le plus, mais je dis pourquoi pas. Bon, de toute façon, si on peut faire un petit résumé, de toute façon, déjà. Dans la compétition, donc j'avais dit que donc la nuit, Teddy et Possessor, c'était non, parce que j'attendais la sortie en salle. Tout le reste, Anything for Jackson, ça je le vois, c'est sûr. Host, je le regarderai. Mosquito State, sûrement. Ah oui, non, il y avait The Overside aussi, qu'on n'a pas regardé. Est-ce qu'il y a un trailer pour celui-là? On finirait par celui-là pour les films encore. Un film suédois. Ah, c'est un film suédois. Ah, je sais pas que vous... connaissez également votre suédois. Shirin, débutante dans son rôle de belle-mère, emménage dans une maison jumelée à une autre avec son partenaire Frédéric et son fils Lucas. Ce nouveau foyer lui semble être un endroit idéal pour fonder une famille. Mais lorsque Frédéric part en déplacement professionnel, Shirin entend des bruits étranges émanant de l'autre moitié du pavillon alors que Lucas se fait un nouvel ami. Ok, pitch, ma foi... classique, mais pourquoi pas. Allez, dernier trailer, je pense qu'on va se regarder, après on se fait un petit bilan total. The Other Side. Oh, c'est très court. Hein. On aime les jumpscares gratuits. Il y a quand même beaucoup de films qui sont vraiment dans un délire très horreur, machin, enfant démoniaque, possession, ce genre de trucs. Bon, de toute façon, c'était le truc le plus commun au monde, hein, bien sûr. Hein. Faut toujours trouver des originalités par rapport à ça. Donc, si on fait un petit résumé. Pour la compétition, en vrai, je pense que je vais tous la regarder, à part donc les trois que je vous ai cités.
De toute façon, ça sera mes priorités, évidemment, les films en compétition, bien sûr. Mais j'ai une énorme attente sur Mosquito State, Anything for Jackson, Sleep aussi m'intéresse beaucoup. Voilà, je pense que c'est ces trois-là que j'attends le plus. Outre La Nuée, Teddy et tout ça, mais encore une fois, ça sera pour la salle. Les films hors compétition, alors c'est vrai que je me rends compte qu'on n'a pas vu, beaucoup vu des films hors compétition là, dans les bandes annonces. Archive, donc oui. Beauty Water, donc ça c'est un film d'animation sud-coréen. Je regarde juste de quoi ça parle, premier film. Yai, une jeune femme obèse, découvre par hasard un produit de beauté pas comme les autres. Il suffit de l'appliquer sur la peau pour remodeler son corps, son visage selon ses désirs. Yaiji va ainsi pouvoir exaucer son vœu le plus cher, devenir la plus belle des femmes, mais la beauté a un prix qu'elle va payer cher. Ok. Je pense que c'est intéressant, c'est que c'est en animation. Ça change un peu. Et que c'est sud-coréen. Je dis pourquoi pas. Donc dans mes grosses attentes pour le hors compétition, il y a Come True, Les Animes Anonymes. Ça, c'est, je pense que c'est vraiment une de mes plus grosses hype du festival. The Monster Collection, je l'attends aussi. Dark at the Wicked, tiens, c'était quoi ça déjà? J'ai oublié ce que c'était. Louise et Michael se rendent à la ferme familiale où ils ont grandi au chevet de leur père mourant. Leur mère en proie à des crises de démence est convaincue qu'une force extérieure s'est insinuée dans leur vie. Les incidents troublants se multiplient, se font de plus en plus inquiétants. Il y a quand même beaucoup de films qui ont un peu le même pitch, hein, quand même, malgré tout. Hein. Bon, je ne fais pas un reproche sur la sélection. Hein. Les films ont l'air vraiment intéressants, mais malgré tout, j'espère qu'il va y avoir que les films vont se démarquer chacun de leur côté, parce que malgré tout, je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires de machin, la famille, il y a une enquête, enfin il y a une enquête, je me compte. Il y a des éléments troublants, etc. Bon, tu vois, c'est pour ça qu'un film comme par exemple Les Animaux Anonymes, tu vois, ça change un peu. Un film comme The Murder Collection avec des petites histoires, ça change un petit peu. Butcher, c'était quoi par exemple aussi? J'avais une famille de bouchers sadiques. Ah, elle est élue domicile dans l'arrière-pays, loin du monde et du regard des hommes. En toute saison, hiver glacial comme été caniculaire, tous ceux qui croisent leur chemin sont des victimes potentielles. Bon, ça, je pense que c'est les films boucherie, comme je les appelle. Voilà, ça, c'est si vous aimez le sang. Je dis pourquoi pas, j'en mets un petit peu de musica. Bon, on va changer un peu d'ambiance, tiens, je vais changer un peu de playlist. On va mettre un peu des musiques de films là pour qu'on soit un peu dans le mood. Ok, parfait. Du coup, vous entendez rien du tout peut-être là. C'est déjà un peu mieux. Ok, attendez. Ça va être un peu fort, je pense là. Bref, pardon. Donc voilà. En tout cas, hors compétition, grosse hype donc sur Les Animaux Anonymes, comme True, Mentor Collection, Impetigore aussi, ça a l'air. Bon, ce qui. Bon, c'est indonésien. C'est tout ça qui m'intrigue. Ou même Beauty Water, il faut que ce soit sud-coréen. De toute façon, voilà, les films américains, c'est cool, c'est bien, mais bon, malgré tout, changer un peu, c'est bien aussi. Et les deux films russes aussi, là. D'ailleurs, Super Deep, j'ai pas regardé. C'est quoi Super Deep? Cercle arctique, situé 12 000 mètres sur la surface de la Terre, la station de forage de Kola dissimule le plus grand laboratoire secret de l'Union soviétique. Quelques mois après son ouverture, des scientifiques enregistrent des voix des crimes dans des profondeurs. Le site est mis en quarantaine et une équipe est dépêchée sur place afin de découvrir ce qui se cache dans les abîmes de la Terre. C'est pas le même pitch que l'autre film en russe, un peu presque. Ok. Premier film, encore une fois. Il y a beaucoup de premiers films. Ça, par contre, c'est cool. Qu'il y ait des premiers films, c'est vraiment très très cool. Ils soutiennent un peu les nouveaux auteurs, et ça fait très plaisir. Voilà. Donc, de toute façon, dans l'idée, donc j'ai acheté le pass à 50€, donc les premiers passes qui ont été proposés, ceux-ci, donc ils ne sont plus disponibles à l'heure actuelle, maintenant. Ils sont partis très 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 vite, ces passes-là. Et donc pour 50€, donc j'ai accès à tous les films de la compétition, à tous les films hors compétition, à la séance spéciale et à la nuit décalée. Voilà. La nuit décalée, honnêtement, je pense pas, je regarderai un des films de la nuit décalée. C'était quoi ce film assiste, par exemple, la nuit décalée? Début des années 60, un médecin va de campagne a mis au point une machine utilisant un laser pour éliminer les tumeurs de la peau. Il veut à tout prix faire approuver son invention révolutionnaire et propose une démonstration aux autorités compétentes. Mais la machine transforme par inadvertance la tumeur d'un patient en un kyste monstrueux qui va répandre la mort dans le cabinet médical. Ça, c'est le genre de truc où ça va être dégueulasse à mourir. Ça peut le sentir. Ça va être un bonheur, ça tu vois, c'est le genre de film dégueulasse pour se marrer entre potes, tu vois. Bon, faut aimer ça, ça dépend, il y a des moods où tu peux être dedans, bon, à voir. Mais je préfère voir d'autres films, enfin voilà, la lune décalée, ça sera vraiment dernier recours, hein. Je vous avoue que là, comme ça, pas des masses.
Mais donc, ne serait-ce que donc, les 12 films de la compétition, les 11 films en compétition et la séance spéciale, sur Space, je sais pas si je regarderai ce film, honnêtement. Mais ça fait ne serait-ce que 23 films. Bon. Je m'étais fait l'idée de faire 3 films par jour. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 films, ça fait donc 12 films, et 2 films le mercredi. Parce que ça commence mercredi midi. Donc 14 films sur 22. Donc fatalement, il y en aura que je vais zapper. Bon, déjà, il y en a 19. Si on enlève les 3, La Nuit et Possessor et Teddy. Donc 14 sur 19. En vrai, c'est pas mal. Ça fait quand même déjà une belle sélection. Si déjà j'arrive à avoir les 9 films de la compétition restants, et genre 3 films hors compétition, ou même 5, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal si j'arrive à avoir des animes anonymes, archives, comme Trou, tout ça, c'est déjà super cool. Je pense que déjà ça peut être super intéressant, et ça régale quoi. Tout simplement ça régale. Donc voilà, après le comment dire, le planning... complet que je vais faire machin, on verra, mais de toute façon ce que j'avais prévu c'est donc de faire un film le matin, un film en début d'après-midi et un film le soir, voilà, et peut-être que je materai un ou deux courts-métrages en fin d'après-midi, un ou deux jours peut-être s'il y a tout ça reste de la place, encore une fois c'est pour ceux qui auraient potentiellement rejoint, donc chaque film, si, chaque film là que ce qui est compétition hors compétition tout ça, c'est 5€ le... Oh, j'ai fait une petite bêtise, c'est 5€ le film pour le réserver, donc vous avez accès du mercredi midi au dimanche soir, ça commence après-demain le festival, hein. Donc vous avez accès constamment, et vous avez juste les courts-métrages qui sont gratuits par exemple, voilà, donc il vous en reste 4 sur 5, vous pouvez donc réserver gratuitement, il faut juste créer un compte sur le site, et vous réservez, donc voilà, possiblement si jamais il reste de la place, peut-être que je ferai un ou deux courts-métrages, ça va être sympa. Alors, le stream Jérémy est terminé. Il est 20h50, j'avais dit 23h, on va faire un petit test très vite fait, je sais pas s'il y a encore des gens, attendez, parce que sur cette cam, alors je fais un petit test, je teste la commande Brice, voilà, mes amis, c'est un bien compris, parfait, je me suis amusé avec le netbot, voilà, n'hésitez pas à utiliser cette commande évidemment, par exclamation Brice, on a encore deux sur le live, je ne sais pas qui il y a, je regarde, attendez, je ne sais pas qui y a en vrai. Je ne sais pas qui est là. C'est assez rigolo. Bon, on va faire un test. Il est possible que ça crache complètement. On se met d'accord. On va voir comment ça rend. Il est possible que ça crache. Pour terminer le stream, on va se faire un peu de Rocket League. Honnêtement, je suis pas confiant. J'ai peur que ça crache complètement. Je suis pas rassuré. Je vais pas vous mentir, je suis pas rassuré. Normalement, si tu es toujours là, tu vas pouvoir voir le jeu comme ça. Je fais juste une partie, hein, vraiment, c'est 5 minutes et après je coupe le stream. C'était un chouette premier stream, hein, merci d'avoir été là, chers amis. Merci à. Et bien sûr, merci à Florent, Noshao et Skyward pour les follow, bien évidemment. On n'a pas entendu le jingle. T'es très joli, tu sens très bon, c'est dommage. La prochaine fois, peut-être. Et du coup, ouais, si jamais je fais un espèce de. Comment dire, de. Je branche ma manette hein, de Xbox évidemment pour jouer à Rocket League. Du coup, je sais pas si je pense streamer tous les lundis soirs. Ça me paraît pas mal. Dans un premier temps, un stream par semaine. Je verrai après si ça fonctionne bien, possiblement si ça vaut le coup d'en faire plus. Je pense qu'évidemment le programme de lundi prochain, ça sera évidemment le débrief de Gérard May, bien évidemment. On parlera de tous les films que j'ai vus. Et de vous dire ce que j'en ai pensé, évidemment qu'on parlera de ça. Ce sera peut-être moins long, et pour le coup, peut-être qu'après, on fera un peu plus de Rocket League. Pareil, ce sera, je pense, 21h-23h. Allez. Alors. Ah oui, bah oui. J'ai plus ma souris, MDR. Alors, je vais juste lancer le jeu. Par contre, on n'entend absolument pas la musique. On en fond, c'est terrible. Bon, en lançant Rocket League, il est possible qu'on se quitte. Donc si jamais ça a planté, bon, vous saurez pourquoi. Et tant pis, on se reverra lundi prochain. Je vais lancer le jeu. Certainement RIP. Attention. Je lance le jeu. Ça va certainement être un gros RIP des familles.
Oh là là. Oh. Est-ce que vous êtes toujours là? Apparemment oui. Apparemment ça va. Le PC n'est pas en PLS. Ça a l'air d'aller. Je ne garantis rien. Alors attention. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Si! Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est tout petit? Attendez, bougez pas. Je ne sais pas pourquoi c'est tout petit comme ça. Bon, c'est pas en full plein écran, mais c'est déjà un peu mieux. Alors, attendez, j'essaye de voir. Bon, ça a l'air de bien tourner. Bon. On va tenter donc une petite partie. Vous voyez toujours ce que j'écoute en bas à gauche. Parfait. Je regarde, hein, si mon PC n'est pas en train de crever. Apparemment, c'est bon. C'est un miracle, hein. On peut se dire, c'est un miracle. Bon, faisons donc une petite in-game pour terminer ce stream. J'espère que vous êtes toujours là. Donc moi je joue en 1v1. Hein. Vous voyez que je suis passé platine la dernière fois que j'ai joué. Platine 1 division 1. Donc c'est vraiment la limite, limite, limite du platine. Allez, let's go. C'est toujours là apparemment. Par contre la musique on l'entend pas beaucoup. Hein. En plus c'est du bac là, c'est incroyable. Oui, ah bon, je crois qu'il n'y a plus que toi. Tu vas pouvoir voir le jeu, c'est bien. Tu vas pouvoir enfin voir comment ça rend. Depuis le temps que je t'énerve dessus. Ça va marcher à peu près bien. Ça va être pas trop mal. C'est un test, hein, après pour le prochain stream, évidemment, ce test Rocket League. Pourquoi la musique on l'entend pas du tout, c'est terrible. Pour moi en tout cas j'entends très très peu. Hein. Je sais pas si le son du jeu est fort aussi. Je m'en rends pas trop compte. En fait je pense que j'entendais beaucoup plus le jeu que la musique en fait. Donc c'est un bonheur. Bon, déjà ça commence pas, je me prends un but évidemment. Faut que je me concentre un petit peu quand même. Essayer de pas perdre, parce que à mon avis si je perds je retombe hors 3. Ce serait quand même dommage. Oh c'est beau ça. Ça rentre pas. Dommage, c'était pas mal. Donc les petites boules jaunes, hein, à un moment si jamais. Si tu veux je t'explique un peu, donc ça c'est le turbo. Que tu vois en haut, en bas à droite, pardon. C'est mon niveau de turbo. Voilà, donc je vais passer sur les petits trucs jaunes, ça me permet de récupérer du boost. Très 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 pratique. Où ça pue ça. Allez! Oh! Ah dommage, je l'avais arrêté. Bon, ça pue, hein. Je pars en retard, je pars en retard. Bah, c'est mort. Ça va être dur à remonter, hein. Je vais vous montrer, ça va être dur à remonter. Bon, allons-y, on y croit. Faut toujours y croire. J'ai déjà fait des remontées bien plus spectaculaires. Hein. Et vise bien. Oh là là, mais qu'est-ce que je viens de dire? Oh, pff, ça rentre. Et pourtant, j'ai très mal joué, hein. C'est quand même incroyable. Bon, apparemment, je vois quand même que mon PC tient à peu près le coup, hein. Par contre, on entend absolument pas la musique, hein, j'ai l'impression. Je sais pas si vous entendez plus le jeu ou la musique. Si vous entendez plus le jeu. Ça sera évidemment à régler tout ça, évidemment. De toute façon, je verrai sur. Oh, let's go, ça dégoûte. Je verrai sur le stream de toute façon. C'est pas un gros gameplay hein, que je vous propose, on va pas se mentir. Pourquoi il y a encore mon curseur en bas à gauche? Je ne sais pas pourquoi.
Évidemment, il la dégage. Ah non! Ça pue. Le problème, c'est qu'il maîtrise extrêmement bien le... Mais quoi? Mais non, je l'ai poussé, là! Oh. Bon, ça va être très dur à remonter, je vais pas vous mentir. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Oh, mais je suis pas très concentré, hein. Je vous avoue que je suis plus à regarder si ça tombe bien ou pas. Ah non! Oh, je fais n'importe quoi. Non, voilà, ça se passe très mal. Surtout moi qu'on entend. Bon, très bien. Merci maman pour ton retour. C'est la fin de la partie. Je vous laisse les amis. De toute façon là je retombe hors 3 à mon avis, hein. Là c'est assuré. Parce que je fais une remontada de l'enfer, mais ça me paraît compliqué. C'est très dur le 1v1 en vrai, on s'en rend pas trop compte, mais... Le problème c'est que c'est le genre de mode où tu fais une erreur et t'es tout de suite pénalisé, alors qu'en 2v2 tu peux compter sur ton mate par exemple, si tu fais une bêtise, mais en 1v1, pas du tout. Ah dommage, j'avais fait un bon truc là. Dommage. Je sais pas que vous entendez la musique plutôt bien. C'est moi ça me détend la musique là. Oh non, mais ce genre de truc, comment je les rate, ça m'énerve. Oh punaise. Je me rends compte que j'ai absolument pas changé le titre du stream et la catégorie. Bon, en même temps, c'était juste une partie vraiment pour tester. Oui, c'est raté. Allez! 4 buts en 2 minutes. ça va le faire. Easy. Totalement faisable, évidemment. Ça va être compliqué. Voilà, moi, je suis content, c'est qu'au moins, bon. Bon, ouais. À part le petit problème technique, sinon, ça s'est plutôt bien déroulé, ce premier stream, là. Ah non, pourquoi j'y suis allé? C'est une mauvaise idée. Je tente une aérienne. J'ai foiré, évidemment. J'ai pas de boost. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Ah ouais, mais c'est terrible ce qui se passe. Il va la mettre. Même pas. J'essaie de vraiment tout donner, hein, je vous assure. De toute façon, je vais clairement pas avoir le temps de remonter. Oh. Il y a un truc. Il va la toucher. Mais ça renvoie. Allez. Ok. 3 buts en 1 minute 10. On y croit. I have a dream. But one day. Oh, oh oui, attendez. Non. Oh non, mais non, mais comment tu rates ça, Julien? Non. Oui. Non, pas le poteau. Oh non, j'ai envie de mourir. Bon, c'est de mourir, c'est terminé. J'avais un espoir là, si j'avais mis le but, mais là, c'est terminé. Alors peut-être. Yes. Allez, 2 buts en 50 secondes. Les gars, on a un dream. Personne ne regarde ça, c'est dommage. Pourtant, quel match de folie ce qui se passe là. I have a dream. Putain. La remontada, les amis, la remontada. Non, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Oh, c'était tellement donné ce but. T'es nul, Julien. T'es nul, c'était tellement donné. Oh. Alors peut-être 38 secondes pour un but. Peut-être. Alors peut-être. Oh là là, ça serait fou. Oh, non. Oh. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, non. Oh non, je peux pas perdre maintenant après toute cette remontée là. Je peux pas y croire. Non. Oh l'enfoiré, quel balard il a fait. Oh non. Oh, j'aurais pas le temps de marquer, non. Oh, je suis dégoûté. Mais vas-y, te sois intact, t'as rien à perdre. Oh là là. Non. Oh non. Oh, j'ai tout ruiné, j'avais une chance infinie. Oh non, j'ai tout ruiné. Oh non. Oh, j'ai tout ruiné.
Oh non, mais j'avais une chance de remonter. Quand il y a que les prolongations, oh, je me dégoûte. Moi, je suis toujours platine, ça va. Oh non, oh, je suis dégoûté. J'avais tellement espoir de gagner, là. Oh là là, ça dégoûte. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Ça dégoûte complètement. Oh là 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 là. Oh non, pour cette option, en plus, c'est terrible ce qui se passe. Oh là 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 là, j'ai tellement cru à ce rêve. Excusez-moi si vous entendez des bruits de Windows, hein, si je remange ma souris. Oh non, oh, je suis dégoûté. Putain, j'étais mené 6-1, je retourne mon 6-5, j'ai un espoir à 2 secondes de la fin d'égaliser et je rate. Comme une sous MRDE. Bon, bah écoutez les amis, je crois qu'on est pas mal. On va se laisser là. Ce fut un plaisir, ce premier stream. On verra un peu les stats tout à l'heure. Enfin, je regarderai les stats tout à l'heure plutôt. C'était, ma foi, très sympa. On a passé un très bon moment. Je vois que mon cher poteau Le Malroux est toujours en live. Je pense qu'on va aller raid. On va lancer un petit raid, hein, les amis, bien sûr. Je vois qu'il est là. Alors, attendez. On va lancer un petit raid. On va lancer un petit raid. Bon, même si on est quoi, on est quoi, on est deux. On est un. Ah oui, d'accord. On est un viewer. Bon, c'est pour le principe, hein, que je vais la raid, hein, parce que clairement... Abrèche Paul, quoi? Pourquoi Paul? Ok, je vais abréger, Bon, je vais vous laisser, ouais, 1234, c'est l'heure de terminer. Je vais raid mon chat Malroux. Alors, attendez, on va voir si ça fonctionne. Alors, je vais couper la musica. Voilà. Pourquoi il y a encore la fenêtre? Ok, c'est bon. Alors, attendez. Il était gratuit sur Epic Games, hein. On va lancer un raid. Alors, attendez, il faut que ça marche. Alors, attendez, raid. Ouais, mais non, bon, c'est con parce qu'il était gratos. C'était le DLC. On va voir si ça marche. Ça veut dire que je vais t'envoyer sur son stream, maman. Tu vas voir, c'est. Je vais t'envoyer sur le stream de mon poteau, Le Malroux. Ok. Qui s'appelle Edouard. Ok. Alors attention, c'est parti. Bisous, à la prochaine. À lundi prochain, donc. Salut. Ok. 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 J'ai pas le temps, mon esprit.